www.casarima.fr. C'est une honte. Santa est en train de multiplier les fêtes pour distraire les enfants. Okay. Si vous entrez dans la distraction, vous allez perdre votre temps et prendre la décision pour se répartir au Seigneur. Tu trouveras dans les églises qu'à la fin du culte, l'union sur offrande, l'union sur tout le côté de la coffre, la pasteur est là. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est pas moi. C'est de l'idolâtrie. Même tu es allé plus loin, on voit même des photos. Ouais, photos, il y a prophètes, tous les prophètes. Yo, yo, qui témoignage, c'était que la zone qui pour photo, la tombée en haut, la zone pour s'y rendre à Maïna Mérina Bibi. C'est pas normal. On suit la moulure moussante. Et comment on compte la photo? En, par soif de miracle. Au Koyokate, il y a un témoignage moutoyé à l'Obi. J'ai écouté la parole qui m'a édifié. Je me suis détourné pour la délivrance. Tu attendras toujours que Naza qui la maladie, bon, Natamou dans l'église, et aussi matin, Naye la coupe. Je suis venu même dans une église où on est en train d'interroger les démons, comme si c'est dans un sketch. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.casarima.fr. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la troisième partie de cette émission. Je suis avec le docteur Boni Ebenga. Avec lui, nous allons échanger à travers des questions et des réponses. Hein, à travers des questions et des réponses, afin d'apporter de la lumière au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. Amen. Docteur Boni, c'est le mois de la femme. En vous entendant parler, en tout cas, vous avez plus agressé les femmes, je ne sais pas pourquoi. En disant que la femme, en fait, le mois de la femme, vous avez, en fait, aux autres côtés, la moitié, le mois de la femme, le 8 mars, en tout cas, c'est une fête païenne. En quoi est-ce que cette fête, elle est païenne? Oui, on n'agresse pas la femme. On les aime, ouais. Et on prêche aussi pour que la femme soit sauvée, ouais. Parce que le temps est très proche. Nous ne voulons pas que l'Église soit mêlée aux histoires qui ne la concernent pas. Ouais. Et cela nous porte une certaine lumière au peuple de Dieu. Ma maman, Toini Binoté, ouais. Mais nous redressons cette sacrificature détruit volontairement par beaucoup d'hommes de Dieu. Et ils vous font embrasser les choses caractérielles à l'apostasie, les choses qui ne peuvent sauver vos âmes. Alors, dans la Bible, on a mentionné nulle part un moment qu'on doit conférer à la femme, où la femme sera émancipée, où il y aura le parrainage, la parité, je vais dire, entre l'homme et la femme. Non. Papa, ça ne veut pas dire que cette journée, cette mois, elle est païenne. Ça ne veut rien dire. Elle est païenne comme Noël, elle est païenne comme Pâques. En quoi est-ce qu'elle est païenne? Elle est païenne pourquoi? Oui. C'est ce que je viens de dire. C'est parmi les rares c'est mois, les journées où les femmes s'habillent décemment, papa. On est à Kinshasa. Une femme chrétienne, ouais, doit s'habiller avec pudeur et modestie. Mais durant le toute mois, sa vie. Mais durant le mois, enfin, c'est pas le cas. Mais depuis durant le mois, qu'elle le se mois, repentit, que la femme s'habille décemment. Non, depuis qu'elle s'est repentie, qu'elle a été baptisée de l'esprit, ouais, la femme doit prendre conscience de la marche chrétienne. Selon ce qui est écrit, que la femme s'habille avec pudeur et modestie, et surtout pour ne pas causer des scandales dans l'église. Je peux me justifier. Balaam, le prophète de malheur qui a osé maudire Israël, parce que Israël était déjà prêt d'entrer dans la terre promise, il serait posé sur la plaine de Moab, et leur nombre et leurs exploits a effrayé les rois Balak, qui a fait recours à Balaam, le prophète, pour venir maudire Israël, parce que selon lui, si Balaam est maudit, ces gens-là seront certainement maudits. Et quand lui va se lever en bataille contre Israël, dans la malédiction, Israël ne pouvait s'en sortir. C'était pour barrer à Israël la promesse, il s'étendait vers la promesse. Mais quand il l'a essayé à plusieurs reprises,
Il n'a pas pu maudire Israël. Balaam a dit clairement que c'est un peuple qui a sa demeure à part. Un peuple qui a sa demeure à part, il ne se fait pas partie des nations. Parce que cela veut dire que Israël ne marche pas au pas ou au modèle des nations. C'est pour cela que la malédiction, l'achatement, la divination ne peuvent atteindre Israël. Mais Balaam, qui n'a pu maudire Israël par les enchantements, par la divination, mais il a réussi par la voie de l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce qu'il a conseillé à Balak? Prenez des femmes mal habillées, exposez-les dans la rivière que viennent baigner les Israélites vers le soir. Quand les hommes israéliens descendront là-bas, ils vont les prendre pour femmes. C'est ce qu'il s'est passé. Quand tu lis la Bible, on parle de l'affaire de Péor, où l'un des fils des sacrificateurs a amené la justice en Israël, a frappé les deux couples qui venaient. Cet Israélien était déjà sous et il venait avec la femme moabite, chose interdite dans la parole. Pourquoi? C'est-à-dire l'homme ne peut pas résister devant une femme exposée. Israël, qu'on ne devrait pas maudire par la voie des enchantements, et on l'a maudit par l'exposé de la femme. La femme était exposée, était exhibée, et les enfants d'Israël n'ont pu résister. Vous voyez, une femme mal habillée, c'est un scandale pour la marche spirituelle. C'est pour cela que je dis que la femme ne doit pas entendre le mois de mars pour mieux s'habiller. Une femme assidue, enseignée, elle est brisée, elle doit contrôler son accoutrement, je veux dire. Il ne peut pas s'habiller, il ne peut pas s'exposer comme nous voyons aujourd'hui. Ça peut exposer la femme. En quoi est-ce que le mois de la femme est une fête païenne? Je viens préciser dans la prédication. Je dis ceci, au monde ça se comprend. C'est une fête, le monde est en train de créer et de multiplier ces fêtes pour distraire les enfants de Dieu. Mais pour nous, l'Église, dans notre doctrine que nous défendons, la Bible dit que ce qu'on ajoute vient du diable. L'Église ne reconnaît pas un mois comme un mois de la femme. La Bible ne déduit pas un mois pour la femme. Et ce qui est dit là-bas, ce n'est pas aussi biblique. Parce que quand on élève la femme à l'égalité avec l'homme... Mais papa, on a bien précisé, docteur Bonnet. La femme est égale à l'homme dans le milieu du travail. Si cette femme a des compétences, bien sûr. Si elle est par exemple le journaliste que je suis, elle a des compétences, elle peut être égale à l'homme, mais pas dans les mariages. Mais c'est avec la même inspiration, oui, que la femme doit... Bon, la femme, même si elle est compétente, dans plus qu'elle travaille dans un milieu où les hommes y sont, elle doit être rabaissée, c'est ça? Mais, puisqu'elle est chrétienne, la Bible ne dit pas que la femme doit être émancipée, elle doit être rabaissée, c'est ça? Vous avez suivi des interventions de femmes ministres? Papa, je ne sais pas, allez-y. Dans des télévisions. Qu'est-ce qu'elles disent, ces femmes? Les femmes ont le droit de porter le ministère parce que c'est l'émancipation, les femmes sont égales à l'homme. Oh papa, je ne sais pas si vous comprenez les choses, hein? Je ne sais pas si vous comprenez les choses. L'émancipation de la femme, oui. Ok? Oui. J'ai même envie de rire. Jusqu'à la sacrificative? Non. Oui. Dans l'église, papa, vous voulez dire que tout au long du ministère de Jésus, Jésus n'a pas élevé les femmes, n'a pas tendu la main à une femme pour qu'elle vienne la soutenir. Qu'est-ce que tu attends par l'élévation? Papa, c'est moi qui pose des questions. Moi qui pose des questions. Merci beaucoup, Alice. Ouais. Jésus n'a pas tendu la main à une femme pour qu'elle soit élevée, pour qu'elle soit à la hauteur. Vous pensez que Jésus a écarté les femmes? Jésus n'a pas écarté les femmes. Et Dieu non plus? Dieu n'a pas écarté les femmes pour les sages. Jésus, autour de lui, il y avait des femmes qui soutenaient Jésus dans son ministère. Et on a cité plus de 7 femmes qui étaient là pour soutenir le Seigneur dans le ministère. Et parmi ces 7 femmes, mes frères, mes confrères, au jour de la Pentecôte, on nous signale aussi qu'il y avait des femmes là-bas, y compris Marie, la mère de Jésus-Christ. Au moins, il y avait une femme. Hein? J'arrive. Il y avait une femme.
il y avait deux femmes aussi. Femmes, voilà, plusieurs femmes. Ils ont reçu les dons de l'esprit, oui, les jours de l'effusion de l'esprit. Oui. Mais ils n'ont pas reçu le ministère. On n'avait élevé aucune femme au rang ministériel. Et non plus Marie, la mère de Jésus-Christ. Ils étaient toujours les femmes. Et ceux qui ont reçu le ministère étaient des hommes. Les apôtres ne pensaient même pas à ça. Les femmes restaient comme les femmes, préparées pour les salis. Les hommes comme les hommes, préparés pour les salis. Je donne toujours des précisions à ces propos. Tu trouveras, pour soutenir leur thèse, ils te diront que l'esprit, quand tu le descendis, il n'a pas fait distinction de sexe. Le prophète Joël avait bien prophétisé que vers la fin, le Saint-Esprit, Dieu répandra de son esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. On ne disconvient pas. Joël s'élèvera ce jour-là pour vous accuser, femmes et ministères, parce que Joël a parlé du Saint-Esprit. Et quand tu lis la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, on est en train de spécifier les choses. L'apôtre dit, il y a plusieurs dons, mais le même esprit. Il y a plusieurs ministères, le même Seigneur. Il y a plusieurs opérations, c'est le même Dieu qui opère tout et distribue tout en tout. C'est-à-dire, Dieu n'est pas trinitaire, comme je viens de prêcher. Si tu as suivi la prédication. Dieu n'est pas trinitaire, mais Dieu se manifeste dans des attributions qui se portent vers la Trinité. Ce sont des attributions. Il est Père, il est Fils, il est le Saint-Esprit pour notre dispensation, la dispensation de l'Église. Et quand il est venu comme le Fils, il a apporté les rachats et il a distribué les ministères, selon ce que Paul a explicité. Quand il est venu comme le Saint-Esprit, il a apporté le don spirituel, et on ne peut pas confondre le don au ministère. Et Joël a parlé du Saint-Esprit qui anime les femmes comme les hommes au don spirituel. Et il ne faut pas confondre les dons charismatiques au ministère, parce que le don de la prophétie ne te fera pas le prophète ministériel. Le don d'enseigner, il y a aussi les gens qui ont le don d'enseigner, ne te fera pas un docteur ministériel. Donc, il faut faire la part des choses. Le don de présider ne te fera pas pasteur. Donc, il faut que les femmes comprennent. C'est pour vous sauver. Quand même si elles font des études de théologie, elles ne peuvent pas exercer un ministère. Surtout ça. Parce que tu dis que je ne vais pas te poser des questions. Oui. Si nous décortiquons les mots théologie, oui, théo, ça revient à Dieu. Logie, étude ou science. Et regroupons ça. C'est-à-dire la science qui étudie Dieu. Du moins, le livre des 1 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 10, nous fait la part des choses. L'intelligence de l'homme, la sagesse, la science de l'homme et la science de Dieu. La Bible dit clairement que la science de Dieu ou les savoirs, la science de l'homme ou les savoirs de l'homme est une folie pour Dieu. Et puisque l'homme, avec sa science, n'a point connu Dieu, il a plié à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication, c'est-à-dire par la science des dieux. C'est que l'homme est trop minime. Regardez un peu l'univers. L'homme est lancé derrière les recherches. J'ai suivi dernièrement les scientifiques qui disent que de tout ce qui a été créé, nous n'avons pas découvert ne fût-ce que les 10% de ce qui devrait être découvert. Or Dieu, je viens de dire que Dieu est infiniment varié. L'homme ne peut pas étudier Dieu. Tu peux aller en théologie. Tu récits avec satisfaction, on te donnera 60%. Tu récits avec distinction, on te donnera plus de 80%. Et l'autre pourcentage. Or Jacques dit, si tu échoues avec 1, tu récits avec 9, tu seras coupable de tout. Alors toi, tu récits avec 60%. Comment tu peux expliquer? Tu peux expliquer la parole de Dieu. Et celui qui t'a compté, c'est qui? Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. On te donne un diplôme, tu es sous l'art. On te donne un diplôme, tu es empirique. Tu n'es pas passé sous l'autel de fait pour être brûlé, afin que la nature héréditaire soit détruite.
Mais avec le diplôme, on te considère, on te vénère. Comme un révérend, comme vous voulez bien des mots. Excusez, un révérend, on te vénère. Avec un diplôme, on t'établit quelque part en train de pastorer. Mais tu es derrière le jupon. Parce que le diplôme de théologie ne peut pas lutter contre l'oppression satanique que tu as héritée. Vous voyez? Alors, la théologie n'est faite par de l'homme ministre de Dieu. C'est la science, une branche de la science humaine. Mais docteur Boni, il y a une femme qui nous regarde. Elle est médecin. Ok? Ça en est tellement bien que. Elle se sent élevée d'un rang supérieur par rapport à Mibali. Elle est émancipée. Elle est une femme active. Elle est une femme qui fait très bien son travail. Le 8 mars, elle se dit, non, voilà, c'est la fête de la femme. La femme, en tout cas, dans tout ce qu'elle a fait, elle a mené comme combat. Elle a lutté pour être là. En tout cas, je dois fêter cette fête. Docteur Boni, vous qui êtes son pasteur, vous lui dites, non, madame, ma soeur, je suis désolée, ne fêtez pas cette fête, parce que cette fête, elle est païenne. Parce que vous confondez pas entre le ministère. La femme ne doit pas exercer le ministère et la femme qui œuvre dans le milieu de travail, par exemple, dans un milieu qui n'est pas chrétien. N'exploitons pas tout notre temps de mission là-bas. Oui. J'ai bien explicité. Ouais. Et nous ne jugeons pas le monde à cause de cette fête. Mais dans l'église, on ne le reconnaît pas. La mission est là. Il y a des hommes de Dieu qui m'écrivent et il y a aussi d'autres personnes qui m'appellent. La mission est là. Si tu peux me contredire, tu m'appelles. On peut bavarder là-dessus. Donc dans l'église du Seigneur, on ne reconnaît pas un moins. Du mois des femmes. Je viens de pingler un exemple pendant la prédication d'une église où la maman pasteur a rassemblé les femmes et les jeunes sœurs dans une retraite pour préparer la journée des femmes. Et la nuit, les renégats sont entrés et ils les ont violées. Et après le viol, le pasteur a ordonné un examen médical. Et au réunion surtout ma petite maman a zéni par l'ongol si ma voix zéni. Au moment de cette ignorance a engendré le premier péché et cette vague là a entraîné une autre vague. On doit maintenant passer à l'avortement, chose prohibée à la Bible. Or ces femmes là ne sont pas enseignées. Ils se sont rassemblés croyant rendre culte à l'Éternel. Et dans cette journée, on dit bien que c'est une journée de femmes, non une journée de l'Éternel. Donc la Bible, l'Église, les églises doivent faire beaucoup d'attention. N'imitez pas le monde, bien sûr. N'imitez pas le monde. Nous n'avons qu'une seule fête. Nous nous rassemblons autour du corps pour manger le corps du Seigneur. C'est ça notre fête de tous les jours. Quand même nous partageons sur le Casarem, tu m'écoutes, nous sommes en train de célébrer la fête. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Le corps, le pain que nous mangeons dans cette fête-là, c'est le corps du Seigneur. Le vin que nous buvons dans cette fête-là, c'est le sang du Seigneur. Que nous mangeons et le corps et nous buvons le sang. Nous n'avons que cette fête-là. Ce qu'on ajoute, bien-aimé, ne vient pas de Dieu. On est en train de tordre le sens des Écritures. Alors, femme, Kolingate loko ezoya ko fe sono kumu me détruire yo spirituellement. Kolingate loko ezoya ko netro na miso na bato. Moi na biso. Yo zali mo Christo, ko ti kuna osala. Les chrétiens les mangent, les chrétiens ne peuvent pas se mêler au monde. Alors, si nous suivons encore les enseignements, na moi et la femme là, on nous parle de l'émancipation, on nous parle de la participation de la femme à la gestion politique. Non, parlons toujours de l'émancipation. À la politique, oui. À l'économie, oui. Mais dans l'église, non. Dans des foyers chrétiens, non. La femme restera soumise à l'homme. C'est ce que nous dit la Bible. Mais la politique, c'est pas qu'il nous sert la politique. Les années, la Bible dit laisser les morts enterrer leurs morts. Dans la politique, il y a des morts qui enterrent leurs morts. Dans l'économie, dans tout ça, dans les institutions de ce monde. Vous oubliez bien aimé. C'est une honte. Satan est en train de multiplier des fêtes pour distraire les enfants de Dieu. Okay. Si vous entrez dans la distraction, vous allez perdre votre temps de prendre la décision pour se repentir au Seigneur. Donc, en bref, l'église ne peut pas célébrer le mort des femmes.
Docteur Boni, on vous entend parler, vous avez parlé de l'évangile n'est pas celle de mercantilisme. Voilà. Vous sous-entendez quoi? Le commerce. Le commerce. Ce n'est pas un lieu de commerce, on ne travaille pas pour se commercer. Dieu te donne le ministère, le patron des ministères doit te prendre en charge. Alors que les pasteurs, les hommes de Dieu nous disent que l'évangile a besoin d'être propagé. Donc, oui. Je viens de te parler des de femmes qui soutenaient Jésus-Christ dans ce voyage missionnaire et tout comme ça. Pour être propagé, il faut de l'argent. D'ici là, moi, je dois me déplacer. Ouais. L'Église a fait mon billet. Ouais. On n'en discutait pas. Ouais. Quand il y a l'organisation, il faut faire la part des choses. Okay. L'Église a une structure organisationnelle et l'Église a une structure doctrinale. Dans la doctrine, on n'organise rien. Dieu a tout organisé. Dans la marche, Dieu a tout organisé. Mais si nous entrons au ministère, dans la pensée d'avoir un gain, dans la pensée de mercantilisme, comme je viens de dire, il y a un moment où que tant qu'on a besoin de Koukoufa, comme l'église s'est fendue comme Koubota Mbongo et Béné, nous sommes là qui n'a bite à Mbongo, nous avons préparé moins en Angaï, même si on a une vocation à succéder. Et tu verras que le pasteur est absolu là-bas. Tout revient sur le pasteur. Les dieux, mais tout consort. Tu trouveras dans les églises qu'à la fin du culte, nous sommes offrant, nous sommes tous côté de la coffre pasteur. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est pas normal. Les dieux ne sont pas gérés. La Bible dit Aaron le mangera avec ses enfants. Et ce ne sont pas des enfants biologiques. Pour notre époque, ce sont des enfants biologiques. Si c'est à l'époque de la loi, la succession sacerdotale se faisait par héritage biologique. Les fils d'Aaron étaient sanctifiés et sacrifiés, consacrés pour le service sacerdotal. Ils devaient bénéficier des dîmes. Mais comme c'est mon entreprise à moi, vous êtes venus là pour m'enrichir. Docteur Boni, il y a des pasteurs qui nous vendent ces derniers temps à céder à ma prédication à Barbeau. Et comme il peut commerce, hein, ma prédication, comme il commerce 5$ par CD, 5$, 10$ par CD, 15$. Écoutez. Oui, papa. Pour ce que tu viens de me dire là, ouais. La meilleure des choses, c'est quoi? CD, ils ont coûté le lobe à 1000 francs. Oui, mais on va acheter à 5$, 10$. Ils ont coûté 1000 francs. Ouais. Il y a 500 francs de ça. Il y a 500 francs. Ce qui est église d'Athie, déjà, pareil, il y a pour graver ma message. Va limiter dans le sens que nous sommes dit CD, mais vous pouvez graver le message. Ah, papa, bon, il n'y a pas. Non. C'est l'église qui a constaté que la gratuité est ajoutée. Tout est commercialisé. Dans le message de l'église, ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont à la base de tout ça. Aussi les fidèles qui ont oublié leur rôle et qui se sont embourbés de leur objectif. Le fidèle aussi encourage beaucoup de choses. Ce qui ne cadre pas à la vérité, on ne peut pas te le faire gober. Si le fidèle n'achetait pas, le pasteur ne pouvait pas arriver jusqu'à lui. Parce que quand le message est prêché, ceux qui reçoivent le message ont reçu l'Esprit de Dieu. Ces messages resteront gravés dans leur cœur. Si tu veux prendre un CD, achète le CD, on doit te graver le message. Mais si on commence à vendre les prédications à des 15$, bon, mon mouton est à 15$, tu es en RDC. Ils ont battu le sous-sous, l'air sous-sous. Ça a sali 6 mois à 15$. Mais ils ont besoin d'un message. Donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué et c'est de l'hérésie. Attention, il y a un moment où ils ont poussé bateau. Nous sommes en train de dire des choses, mon frère, mais ma sœur. Il y a les gens qui voyagent aujourd'hui. Quand tu veux voyager, c'est l'église qui prépare tout. Le pasteur vient voyager, il faut préparer son transport, il faut supporter son transport, il faut supporter son billet. Séjour et tout qu'on sort. Mais quand il revient de Jérusalem avec son bidon d'eau de Jourdain, il commence à vendre ça. Ouais. Dans des bouteilles de pincérine. Voilà. Il vend ça, ce petite bouteille là. En 15$, à 20$. 50, voire même 50. Stock limité. Oh là là. Stock limité. Les chrétiens se bousculent.
Les chrétiens se bousculent sous prétexte que c'est l'eau du Jourdain, là où le Seigneur se fait baptiser. Non. Disons-nous la vérité. Est-ce que tu as qui peut suivre? Même Yango. Jean-Baptiste n'a pas été révélé. Jean-Baptiste a déjà révélé la personne de Jésus-Christ quand il était au ventre de sa maman. Ce n'est pas l'eau, ni là où il y a la preinte de Jésus-Christ, on prend ces poussières-là, ni la tombe. La tombe même n'appartenait pas au Christ. La tombe appartenait au Joseph d'Arimathée. Il avait acheté ça pour sa famille et après Jésus-Christ, on a enterré les gens là-bas. Est-ce que vous pouvez comprendre ce terrain? Et bien, quand il y a poussé, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Même, tu es allé plus loin. On voit même des photos. Oui, photos, il y a prophètes, tous les prophètes. Il y a qui témoignage, c'était que la zone qui prend photo, la tombée en haut. La zone poussée, elle n'a pas mis la mairie, la bigue. C'est pas normal. Onction et amour, mon sang. Et comment compte-t-il la photo? C'est des dérapages graves. Papa, surtout des horaires en caractère historique. Papa, surtout, des guérisons miracles à travers ma nzété, ma fouta. Je ne sais pas, Dieu agit à travers ma objet. Je vais expliquer ça. L'esprit de Dieu, ma fouta. L'esprit de Dieu. Parfum. L'esprit de Dieu n'entre pas dans tous ces trucs-là. L'Esprit de Dieu utilise l'homme qui a la connexion avec Dieu. Et c'est ce que je vous dis souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez éveillés. Lisez très bien la parole de Dieu. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu peux faire aussi les miracles. Et la foi bâtie sur le miracle, la foi basée sur le miracle est passagère. Parce que les problèmes sur cette terre, ne nous manquera jamais. À chaque pas de vie, dans chaque domaine découvert, tu trouveras des problèmes là-bas à résoudre. Le corps et la chair, et qu'on sera toujours dans la malade, même le prophète, on a la bélaka. Maladie est colongouate, piak est colongouate, le problème est colongouate, le macamouana est colongouate, malheur est qu'on atteindre toujours le giste pour le côté de Salomon qu'on a zambé. Pour nous commettre ma balle dans zambé, dans l'orgueil, bas la toujours brisé, bas nous kakelongi n'zambe, bas invoka kanzambe, ponzambe muta nous kaka honneur va pesa kaya mona mutote. En par soif de miracles, au koyokate na ba témoignage mutoyé à l'obi, j'ai écouté la parole qui m'a édifié, je me suis détourné pour la délivrance. Tu attendras toujours que nazaki la maladie boye, na tamboli na l'église les aussi matin, na yé na kouta. Pas toujours mitu na hôpital et comme on kokaoka. Et ce sont des miracles mensongers. D'ailleurs, cela est consigné et marqué parmi les signes du temps. Le Seigneur ton Dieu, le Dieu que tu sers, avait bien dit. Vous verrez les gens qui vont venir à mon nom. Ils feront des signes et des prodiges mensongers. Et ma soeur, ce n'est pas veut dire que nous, dans nos églises, il n'y a pas de miracles. Non, il y a des miracles. Mais les miracles n'est pas notre cheval de bataille. La grande question de Zomituna, pourquoi est-ce que la caméra fait la carte derrière le miracle? Il ne faut pas filmer. Il ne faut pas faire le miracle. Landa, c'est quoi le message exact? Landa, message exact. Au qui vous attend, je suis venu même dans une église où on est en train d'interroger les démons, comme si c'est dans un sketch. Démon, enfin, tu vois, on a un démon qui a confessé nous tous. Non, on confesse le Seigneur Jésus-Christ. Balbi mili mon mabé balenga kabe ba tramba ka likol. O ki bazo poser des mots. Ali simba fimbo wana. Simbi fimbo. Bon yo oye a kosala to ya ki to bomaye. Yo zo tele bazo te ksa to bomaye pona. Bon. Pona nini bonga ki bomaye. Pona boy 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 boy. Si ko bazo ko kate pona nini. Po to zo mona lumière na yo e zo pe ksa biso. Wana pub. Lumière ya nani. Mutu azana lumière. La lumière, si on ne parle pas du Seigneur, ce sont des faussetés. Vous voyez, quand il y a un pasteur à l'objet, il y a des bêtes et des films. On va lui dire aux bêtes, aïe, aïe, aïe. Voilà. Les gens sont tellement aveuglés. Dans l'église, ce ne sont pas pour ces choses, pour tout ce théâtre-là. On vient pour les salir des âmes. Les âmes doivent être enseignées pour que leurs âmes soient affranchies par la lumière. Et la délivrance. On l'acquiert par la repentance. Une âme qui se détermine, comme Moïse s'est identifié par la repentance.
Quand il dit quelle est cette grande vision, je vais me détourner pour voir. Quand il s'est détourné du monde et Dieu l'a appelé, c'est qu'il était identifié du Seigneur. C'est ce que tu dois aussi faire. Prendre une ferme décision de se détourner du monde pour tourner vers le Seigneur. Et tu seras identifié de celui qui t'a appelé. Il t'a déjà prédestiné. Et ça ne restait que l'appel. Quand tu écoutes maintenant son appel, tu dois maintenant te déterminer pour la repentance. Et la repentance, c'est le vrai miracle. Tu commenceras à marcher avec Dieu. Aujourd'hui, les gens quittent même là où il y a la lumière pour aller suivre des miracles mensongers. Non, bien-aimés, Dieu n'est plus dans ces histoires. L'onction de Dieu se manifeste dans l'homme des sacrificateurs qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. J'ai trouvé un papa comme ça à Libreville. Elle s'appelle Kumba. Ce papa-là était frappé de la factus. Il était paralysé. Un douanier qui avait beaucoup d'argent, je suis rentré dans sa maison. On m'a conduit jusqu'à dans sa chambre par un frère que j'avais prêché dans leur assemblée. Il m'a conduit jusqu'à dans sa chambre. J'ai trouvé ce papa-là. Il a commencé à me parler. Il a dit, mon fils, Nasali tu habites là, un dossier, il faut la traiter. Nazali douanier, m'a encore répété en Libreville. Je fréquentais les églises. J'ai sémé, comme il y a mon économie, monnaie courante. J'ai sémé, n'a pas 60 chaises. Je fréquentais les féticheurs, je fréquentais les églises, je fréquentais les assemblées, je me suis vu avec les hommes de Dieu, je me suis vu avec, et il m'a parlé, et jusqu'à la vie, tu vois, ma douche de chambre, je n'arrive même pas à quitter mon lit pour arriver à ça que ma femme me soutienne, tu vois, j'ai eu pitié, et je lui ai parlé du Seigneur. Naomi Naye, on fréquentait des églises, pour que ce soit dans l'église. Ça te restera une seule personne que tu dois le fréquenter aujourd'hui. Il est là les bras ouverts. Parce que sur la croix, il a versé son sang, il nous a rachetés. Si tu crois aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus prendra place dans ta vie. Je te demande de rien s'aimer. Je te demande de rien donner. Parce que Christ, il s'est donné pour nous déjà. Comment tu peux demander à quelqu'un qui vient de naître aujourd'hui de s'aimer pour sa délivrance, de s'aimer pour sa guérison? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu vois, j'ai présenté le Seigneur Jésus-Christ à ce papa-là. Quand je vis qu'il avait écrit, je lui ai dit que demain tu seras à bord de ton véhicule pour aller vaquer à tes occupations. Est-ce que tu acceptes? Il dit, j'accepte de tout mon cœur que Jésus est Seigneur. J'ai prié et demain, vers 10h, le frère qui m'avait amené là-bas m'a appelé là pour me dire que pasteur, papa Koumbé est en train de conduire. Il t'appelle le soir. Gloire à Dieu. Or, le truc était démoniaque. Sa femme était derrière là-bas. Le premier jour, sa femme m'avait accueilli gentiment parce qu'elle croyait recevoir tout homme de Dieu comme il a l'habitude. Mais quand je suis revenu à la guérison de son mari, je croyais qu'elle va encore m'accueillir davantage, mais elle ne m'a même pas salué. Hey, la délivrance aussi, ça se conserve. Tant que nous avons qui chasse, nous avons orienté et pas à Mosaï Nanzambe Moko, que je salue de loin, et qui craint l'Éternel, dit allez pour faire croître ta foi là-bas, pour grandir spirituellement là-bas. Mais sa femme l'entraînait encore dans des Bizinga, comme on appelle à Congo Brazzaville. Si Bizinga, c'est un Bevalon. L'église qui n'a aucun sens, c'est pour la spiritualité qui encadre les hommes à la ressemblance de Dieu. Et dans la quai Libreville, dans le deuxième voyage, je me suis dit que je suis en train de me faire. Il était réclamé. Mais dans la suite de délivrance, les gens ont été en train de se faire battre la main en ligne. Ma sœur, dans l'église, il faut se confier dans tout. Dans l'église, il faut aller dans Zambé. Confiance sur la Bible, on peut se passer dans Zambé, mais on dit que Zambé est en train de se faire. Ils ont dit qu'on dit que Sali n'a pas besoin de dépendre de la maman. Non, Sali a besoin de dépendre de la maman. Tu vois, l'erreur, il y a un avis que n'a pas besoin de Christ, n'a pas besoin de pasteur. Tu vas comparaître, tu vas juger le besoin de ça. Parce que si tu as acclamé ma cambo, la Bible est soutenue, il y a un côté. Parce que il y a un monde miracle. Il y a un monde miracle, l'objet qui m'a servi, l'objet au Koufadé. Mais le cas des miracles, il y a une repentance, il y a comme ma vie éternelle.
papa va pasteur babi to même la bango babi kumba na biso nous bango ne va daddy en anglais hein papa to même avant pas papa donc nous surtout ya ma bé bakon bango bango na biso de ya kati ko ba secret na biso ko kati to même la bango to livre la bango papa. Donc, nous avons une intimité, là, il faut que nous dévoilions par pasteur. Quand bien même que les sacrificateurs de l'époque portaient des fautes, des pectorales, qui ont des significations importantes aujourd'hui, pour les ministres de Dieu de porter les charges du fidèle, mais ce n'est pas à eux de garder ces charges, ils les transmettent au Seigneur. Quand tu es encore enfant, tu ne souhaites plus marcher, parce que le christianisme a trois étapes. Comme tu remarques sur les tabernacles, il y a les parvis qui constituent la marche élémentaire où on amène le peuple à être brûlé sur l'autel de l'Holocauste afin que leur péché, leur hérédité soit consumée là-bas par le feu. Il va se donner à des sacrifices énormes, mais c'est toujours la première marche parce qu'au parvis, il y avait toutes sortes de lumières qui entrent. Et il y a aujourd'hui des églises qui se limitent au niveau des parvis. C'est pour cela qu'il y a des enseignements hybrides, des enseignements qui se mélangent. Mais celui qui est un enfant encore dans le Seigneur, on va l'encadrer, on va les orienter jusqu'à un certain temps. Quand quelqu'un a acquis déjà la maturité, il doit maintenant, il sait maintenant se défendre. Parce que la prière, c'est le dialogue entre un fidèle et celui qui l'a crié. Il n'y a pas d'intermédiaire. On peut t'aider quand tu es encore enfant. Et aujourd'hui, les chrétiens veulent toujours rester enfant. Hébreux chapitre 5 nous dit ceci. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons-nous à ce qui est parfait. Car la nourriture solide est pour les hommes faite, ceux qui ont réussi le discernement de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Mais dans l'église, tu trouveras les gens qui ont fait beaucoup d'années, mais comme ils n'étaient pas venus pour Christ, ils étaient venus pour soutenir des fanatismes à l'homme de Dieu. Ils sont là toujours des enfants. Ils ont l'expérience pour l'église, pour organiser l'église, pour organiser les chaises, organiser les matériels. Là, ils ont l'expérience. Mais ils n'ont pas l'expérience de la parole de la justice qui peut sauver les âmes. On ne vient pas dans l'église pour les pasteurs. Je ne renverse pas les hommes de Dieu. La Bible déclare, demande une certaine déférence à ceux qui nous enseignent la parole. Un certain respect, parce qu'il incarne le ministère de Christ, une partie de Christ. Mais on ne peut pas les adorer, on ne peut pas non plus les considérer à la place de Christ. Celui qui est notre Père, celui qui est notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a même pas les enfants spirituels, il n'y a même pas les pères spirituels, non. Les pères dans la foi ou dans le ministère existent. Mais celui qui nous engendre spirituellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À partir de ma camboana, moi, nanga ya mulimo, papa nanga ya mulimo, yango zombi ma influence wana. Les enfants spirituels n'existent que pour le Seigneur. Car le Père spirituel, c'est lui qui nous donne la naissance de l'Esprit, qui nous donne la vie de l'Esprit. Okay. Docteur Boni, papa, les gens ont montré à tout à la vie, soit un homme de Dieu, à tous ses amis dans la terre, à tous ses amis, en tout cas, tel est un moulin, et à mon équipe, en tout cas, tant qu'on a bien été. Alina se repentir. Mon conseil pour la vie. La repentance, c'est le début du commencement. C'est ce qui ouvre la porte pour la marche spirituelle. Je t'avais dit autrefois que pour nous, c'est plus difficile que les enfants d'Israël. Ils marchaient dans un désert spirituel, dans la première marche qui les a conduits jusqu'à la promulgation de la loi, où Israël était porté sur les ailes de l'Éternel. Dieu même lui a dit, je vous ai porté sur les ailes comme un aigle transporte ses enfants. C'est que c'était la première marche où Israël avait seulement crié. Israël a crié. Ils ont mis le sang sur le linteau. Ce qui a permis que Dieu puisse passer outre et déclencher le miracle de la sortie. L'exode a débuté. La première marche qui part de l'Égypte jusqu'à la promulgation de la loi dans la montagne de Sinaï, où les peuples devraient maintenant se déterminer pour s'engager dans la... Et tu trouveras là où l'Éternel est en train de dire, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous mettrez en pratique mes ordonnances, vous m'appartiendrez entre toutes les nations, et vous serez pour moi un royaume des sacrificataires. Maintenant, si
C'est là où ça débute, c'est là où débute maintenant la deuxième marche, la marche de la maturité, la marche de l'engagement, la marche de l'alliance, où le peuple se détermine par rapport à la première marche qui conduisait le peuple jusqu'à la montagne de Sinaï. Et Dieu était précis là-bas. Il a spécifié la voie du salut. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, nous les maillons avec ce que l'apôtre dit dans l'épître d'Hébreux, laissant les éléments de la parole de Christ, étendons-nous vers ce qui est parfait. Donc, quand tu te repens dans toute ta sincérité, bien-aimé, tu as été prêché sur la personne de Christ, il y a eu la révélation, tu prends l'engagement, tu te détournes une fois pour toutes de ce monde. Car la Bible dit, il n'y a pas du pardon pour ceux qui sont éclairés, ont goûté la parole, ont goûté le Saint-Esprit, il n'y a pas le pardon sur le tombe, il ne reviendra plus à la repentance. Alors la première marche que tu as engagée est spirituelle. Israël l'a fait dans un désert naturel. Nous le faisons dans un désert spirituel pour une récompense spirituelle. C'est là où il y a les lacunes. Pour Israël, c'était facile. Arrivé à la Mont Sinaï, Dieu a promulgué la loi. Et quand Dieu a promulgué la loi, il y avait une certaine rigueur maintenant. Tu transgresses la loi, tu seras jugé par la loi. Et la deuxième marche jusqu'à ce que Israël était conduit à son héritage. Alors là, je dis ceci à toi qui me suives. Tu viens, ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'un instrument, une marionnette que Dieu utilise pour te prêcher Christ. Une fois que tu t'engages dans la repentance sincère, dans une conscience pure, le Seigneur lui-même te fera baptiser de son esprit. Ah, okay. Et quand tu reçois le baptême de l'esprit, tu débites la marche spirituelle avec le Seigneur. Et là, tu auras un don spécifique qui doit te distinguer des autres pour la complémentarité. Et te rendra aussi utile. Parce que toi, ma sœur, tu peux recevoir les dons de guérison. Moi, j'ai le ministère des docteurs. Moi, je t'enseigne. Et s'il y a un malade, je peux t'appeler pour prier pour ce malade-là. Parce que toi, tu as un don. Moi, je prierai par le ministère, Dieu m'exaucera aussi. Mais toi, tu as un don. Ça ne t'est pas raté parce que tu as ce don de guérison. Je dois considérer ce don et je t'appellerai ma sœur. Prie pour cette malade-là et il y aura des conséquences. J'espère que vous avez dit attentivement. Je pense que le docteur Papa Moulimou et l'église. Oui. Le conducteur, papa et Moulim. Voilà, le conducteur. Hein. Je suis comme conducteur, voilà. Parce que le conducteur c'est Christ, voilà. Au temple de la Nouvelle Alliance, voilà. Tina, voilà. On peut trouver sur l'avenue Mwanza, numéro 11, ouais. À la commune de Ngaba. Voilà, Moyoki, après c'est nos conseils, l'importance n'a pas à Koyaki, ça ira bien. C'est la fin de cette émission. Je remercie le docteur Boni. En tout cas, merci à vous, papa. Dieu continuera toujours. En tout cas, que Dieu ne te laisse pas. Hein. Amen. L'autre pasteur, Wanana Indien. Voilà. Je remercie l'équipe technique de Katarima. Amen. On se retrouve prochainement avec un autre sujet, surtout le vendredi prochain. Oui, je crois que ça sera cette fois-ci. Sur le mariage. Nous voulons parler sur le mariage, sur des liens illicites. Et j'en profite aussi pour bénir également les téléspectateurs de Casarem. Voilà. Je remercie le Dieu par son serviteur Manzambi, voilà. Qui nous soutient dans ces émissions, qui fait que ces émissions aillent bien. Et Biba qui paye et qui soutient ces émissions financièrement. Et je remercie tous mes enfants en Europe, Alain Kelly, sa femme et tous les autres, les pasteurs, le ministre de Dieu, qui défendent d'accord la cause juste de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et vous comble abondamment. D'accord. Vous qui défendez la cause juste de l'Évangile, nous vous aimons, nous vous disons merci d'être scotché en ce net moment en train de suivre cette émission. Merci à Casarima, merci au PDG Blaise Mzambi, merci à Néné Onim, en tout cas merci à toi. C'est la fin, papa, on se met des coups. Hein. On se met des coups, en tout cas. www.casarima.com